L'armée américaine ou bien militaire américaine en Haïti, c'est ça nous est sur tout internet là, yon bagay qui kite yon gros point d'interrogation en pile moun pas suspend à commenter sous sujet ça. Est-ce que l'armée américaine en Haïti vrai? Est-ce que l'armée américaine gintan sous sol là journée jodian son question en pile moun pas suspend à poser. Qui ça qu'a passé dans la police là comme ça? Est-ce que Phantom 509 là tout bon tout nèg qui regroupé en dans Phantom 509 là, tout nèg qui fait partie des groupes Phantom 509 là, est-ce que yo tout ces policiers yo y vraiment? Son question en pile moun a posé mais nous-mêmes nous pas qu'à vraiment répondre question hein, mais c'est sûr que et tout Phantom 509 là pas qu'à policier et c'est un bagaille tout noué qui quitte un gros point d'interrogation en pile monde pas suspend à demander est-ce que tout nèg qui fait partie des groupes Phantom 509 là c'est policier. Association des industries dénoncé zak k'a fait sous quelques entreprise nan PIA association qui fait qu'on est jan de zak sa yo li pas possible pour yo a répéter en dan PIA. Reginald Boulos a accusé président Jovenel Moïse de sa k'a passé nan PIA et il profite à ajouter que lycée responsable lycée seul responsable de ça qui rivé dans Universal Motors que nous connaît négio té entré négio qui prend machine et négio tout qui fait un paquet de gars dans Universal Motors là. Rete là nous pral porter toute information et nous pral venir avec quelques analyses sous point ça. Est-ce que réellement tout nèg qui regroupé en dans Phantom 509 là c'est policier? Est-ce que réellement l'armée ou militaire américaine déjà sous sol haïtien? Rete là nous pral pote toute info toute réponse avec question ça yo pour vous. Rete là tout nous pral pote quelques analyses sous sujet ça yo. Mais avant d'aller plus loin, quittez nous prendre quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui était un fan inconditionnel ou même qui toujours a like, partager sans oublier ou même qui abonné avec channel là ou même qui rend channel Genangea saluer journée jodi a. Faut nous dire sans like ou yo, sans commentaire ou yo, sans partage ou channel là lui-même li patap rivé nan dimension ke liye journée jodi a. Ou même qui abonné déjà qui te remercier et ou même qui regarde vidéo ça qui poko abonné avec channel là n'a invité ou abonné avec channel là pour nous capable agrandir communauté Genangea. Phantom 509, encore une fois, ayer, je dis, te prend béton, yon façon pour yon capable mander justice pour confrère yon nous connaît qui te victime dans opération que yon t'al fait dans village de Dieu. Nek sa yon te prend la rien, mais nan mercredi qui te fait yon paquet de dégâts dans la rien. Nek sa yon qui te entré dans commissariat, nek sa yon tout qui te attaqué Universal Motors et plusieurs et individus prend machine, plusieurs dégâts faits dans groupe Phantom 509 là nous connaît qui te prend la rien qui tape foulé béton. En pile question à poser, est-ce que tout monde qui regroupé, tout monde qui fait partie de groupe Phantom 509 là, yo tout ces policiers. Et les nous connaît journée jodien qui quantité zame que moun haïtien a y a fourni et quelques jeunes nan ghetto yo les nous connaît tout qui quantité zak k'ap fait sous population haïtien nan et les nous connaît tout qui quantité zame qui gagne dans pays actuellement. Alors c'est un gros point d'interrogation pour nous dire tout nèg qui regroupé en dans Phantom 509 là c'est policier et nous connaît tout journée jodien gagne
paquet individu dans la rue qui gen uniforme policier sou yo, yon paquet individu qui gen plaque policier sou yo, et non seulement ça tout, nek sa yo lourdement armé. Alors ça qui te yon gros point d'interrogation pour ta di si réellement tout nek qui regroupé dans groupe Phantom 509 là, ce sont des policiers. Ayev, je dis, un nèg yon kwa ki te pran la rib, aïe, pour le prince, nèg yon kwa ki ta foule beton, mais ki pat vraiment fait des gars, mais nèg yon te entré nan commissariat fizil, en prison civile, pardon, kwa de boukea, yon ta libéré konfrè, yon te placé en garde à vue. Bon, nèg sa, on pa ka di vraiment si réellement c'est nan garde à vue yon te placé yon, parce que nous connaissons nèg sa, ou même gen 2 à 3 semaines depuis que yon en dans prison civile, kwa de boukea, et les nous connaît selon la loi qui quantité tant yon moun capable faire dans yon garde à vue. Alors 2 ou 3 semaines, ça pas question de garde à vue, nous capable dire nek ça même qui té nan prison civile quoi des bouquets à derrière barreau. Alors groupe Phantom 509 là yon même yotal libéré confrère yo qui té trouvé yo nan prison civile quoi des bouquets. Mais heureusement nek sa ou même qui pas fait aucun dégât, nek sa ou même qui toujours a manifesté, qui toujours a foulé béton pour yo faire connaître yo même en tant que police nationale yo mérité pour l'état prend yo en considération. Et les nous connaît comment institution ça journée jodiant vinn gagner yon dégât entre li vinn gi vraiment gagner un embouteillage en dedans institution police nationale là, parce que les nous connaît comment DGA lui-même la prend micro la presse la fait des conférences et puis les nous connaît tout comment membre RNDDH même y a dénoncé yon série de bagay, y a démenti yon série de bagay DGPNH li même l'a fait. Reginal Boulos encore une fois accusé président Jovenel Moïse de ça qui a passé en pays a qui fait qu'on est que c'est dans mauvaise gestion président Jovenel Moïse qui fait pays d'Haïti lui-même li trouver dans ça lié journée jodian. Et là nous connaît Reginal Boulos même qui t'a financé campagne Jovenel Moïse, alors monsieur lui-même li campé en opposition devant ça nous capable di gouvernement PHTK devant gouvernement Jovenel Moïse là, et Reginal Boulos continuer pour le faire connaître ça qui rivé dans Universal Motors là. Président Jovenel Moïse c'est l'unique responsable de ça qui rivé dans Universal Motors là, et l'unique responsable de ça qui a passé dans pays à journée jodia. Et nous connaît président Jovenel Moïse même pas suspend à faire des déclarations. Président Jovenel Moïse pas suspend à prendre micro la presse pour lui-même lui faire connaître que sous règne par là dans temps ça arrêté à lui-même la mettre yon stabilité dans pays a, mais jusqu'à présent pays a poko j'aime reconnaître yon stabilité vraiment, qui que ce soit stabilité politique, qui que ce soit stabilité sécurité, poko j'aime répondre président Jovenel Moïse poko j'aime répondre avec attente ça en pile haïtien attend journée jodi. Selon information qui a circulé sur internet là, et information ça qui fait qu'on est que l'armée américaine ou militaire américain déjà sous sol haïtien là, et là nous connaît président là aussi lui-même nous capable dire gouvernement là aussi te offri aide li avec Haïti, que journée jodian gouvernement la kay nou pou ko jam répond avec demande ça. Mais nous te wè nan yon ti entretien président Jovenel Moïse même li te gen avec l'ONU, li te profite mande l'ONU aide you. Alors est-ce que c'est l'unique raison qui cause militaire américain li même déjà sous sol là? Est-ce que c'est l'unique raison qui cause États-Unis choisi déployer et l'armée la Kaili pour vin pote support nous en by Haïti, pardon? Et si réellement militaire américain sous sol là
alors nous-mêmes n'a retenu yon changement malgré son information qu'a partagé sur internet là, son information qu'a circulé sur internet là, mais nous poko capable confirmer à 100%. Restez connecté avec G&G déjà ou qu'on est qui c'est une page qui toujours là pour n'a chercher toute dernière information qu'a fait la une sur internet là. Déjà ou qu'on est devise par nous-mêmes c'est al chercher information ça pour nous poter pour vous ou même ou gagne un seul de voix c'est abonner avec chaîne là, pas oublier pendant fin abonner, like et puis quitter un commentaire en bas vidéo ça wap gade là. Quant à pour nous-mêmes n'a laissé wap rejoindre nous encore dans une autre vidéo pour une plus bonne nouvelle.